inspecte le faisceau d'alternateur ainsi que celui du niveau d'huile, voyant orange et le voyant d'humidité d'eau dans le gazole. Et ça passe par ce faisceau qui passe sous le bloc moteur, entre le bloc moteur et la boîte de vitesse. Ça peut également, sur les boîtes automatiques, faire allumer le voyant A/T de température de boîte de vitesse. Et en fait, on voit que le faisceau, par endroit, il est tellement marqué, là le fil est proche, il va casser si je continue de le remuer. Et on voit que tous les fils, en fait, ont été compressés finalement dans la protection, qui est également une protection thermique. Et finalement, ça a fait des dégâts sur le faisceau. Donc on va tenter de le remettre en état et constater l'extinction éventuelle des voyants. Provisoirement, j'ai repris le faisceau. En fait, les petites entailles qu'on peut voir ici, on a du mal à voir la profondeur, mais le fait d'avoir percé le revêtement plastique, le faisceau s'oxyde et par conséquent, la conductivité est bien moindre.